Bon, c'est la quatrième zone où je dois aller, c'est ça? Ça fait un peu beaucoup, mais bon. Ah, c'est quoi ça? Encore ce truc poilu bizarre, là. Non. Ouais, ce que je disais, c'est la quatrième zone où je dois aller, et en plus, c'est dangereux. C'est pas ouf, ça, papy, dis donc. Tu pourrais faire quelque chose, un peu, quand même. C'était pas mal ça, dis donc. Je savais pas que je savais faire ça. C'est bien pratique en tout cas comme capacité. Hein. Bon. Comme quoi, ça a pas que des avantages d'aider cette personne là. C'est vrai que c'est louche. Bah toujours plus hein. Tu vois rien d'autre de louche dans le coin? Bah y a encore des trucs poilus en face à part ça. Bon, du coup, ça veut dire que j'ai fini de t'aider ou il y a une arnaque? Une arnaque, je pense. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Oula! Bah dis donc, ça a tout enlevé d'un coup, j'aurais pas cru. Du coup, on a enfin fini. C'est quoi ça? Dis-moi que c'est un coup de pain à toi, parce que là, sinon ça sent pas bon. Eh ben on dirait pas, râpé. Si jamais vos conflits là entre amis, ça me concerne pas, hein. Non mais attends, moi je suis pas un soldat d'élite ou autre, je peux pas régler le compte à un chef octarien, je sais pas quoi. Hein? C'est un chef octarien ou un chanteur? Ouais? D'accord. C'est bien beau ça, mais je dois faire quoi? Dessus pour renvoyer. Et ça va pas le blesser lui? On va dire que c'est de la légitime défense qui est. Il fait quoi là? Est-ce que je peux savoir pourquoi c'est moi qui l'agresse alors que c'est vous qui avez des conflits? C'est original un peu ce principe. Ça ne me concerne pas, j'ai dit. Bon, est-ce que ça l'a calmé ou pas? Non, mais c'est bien d'être pacifiste, sinon c'est quoi ça là? Ah. Non mais arrêtez! Point de contrôle. Oula. Quoi? Ça me paraît pas trop cool ça. Qu'est-ce que je peux faire?
Salut Hulk, ça va, tu t'en sors? Bon, ça on sait faire jusque là. Tiens mon sale mioche. Comment ça l'assassin? C'est toi qui nous agresse hein? Moi j'ai rien fait. Bon, est-ce que cette fois c'est bon ou deux ça suffit pas? Rectification, c'est moi qui vais m'énerver pour deux points parce que tu es pénible là pour nous agresser pour rien. Comment dire? Baisse pas ta garde. Bah j'imagine, c'est quoi ça encore? D'accord, maintenant je dois faire du saut à la corde avec un gars qui nous agresse. Superbe. Ça devrait suffire cette fois, non? Bon, ça c'est toujours la même chose, vous battez souvent comme ça? Enfin, plutôt vous agressez plutôt souvent les gens? Oui, bon, en même temps, hein, on fait faire son boulot. Il a pas piqué le grand poisson charge ce coup-ci? Comment ça? Ben oui, c'est qui? Si c'était lui le coupable? Enfin, le soupçonné plutôt. La bouille hirsute. Ouais? C'est plutôt moi qui dirais de secours là en fait. Bien écrasé par terre là quand même. Ah. Je suis où là? Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Un dôme autour de nous? On est au bord de la mer? C'est bizarre cette histoire. Youhou. On me parle? C'est qui ça? Comment elles connaissent mon appellation? Ah mais c'est vous que j'ai déjà entendu! Effectivement, c'est bien moi. Eh ben, enchanté aussi. Numéro 1 de l'escadron Espadon, nouvelle version. Ok. Numéro 2. Notre amiral, c'est le chef du coup. Oh, d'accord. Mais du coup, papy, c'est qui par rapport à vous? C'est bon. Bah en même temps, on est un peu tombé de chez Bazou, ouais. Ok. Eh bien.
Un nouveau numéro 3? Comment ça? Je suis pas le premier? Alterna? Ce c'est. Ok. Ah, et je le sentais venir. Du coup, il faut que je fasse tout le boulot, c'est ça, pour résumer. Ah ouais? Comment c'est que vous avez fait ça? J'indique les lieux que tu as déjà visités. Ok. Pratique ça. Ben sûrement, ouais. Du coup, ça fait encore plus de boulot. Ok, bon, si j'ai bien compris, mon plan d'aller visiter la ville est tombé à l'eau. Bon, d'accord. Je crois qu'il faut que je me résigne à ce niveau-là. C'est tout simple, tu es sûr? Sardinium? Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Bah non, je sais pas. Comment ça, en attendant de s'attaquer à la vraie fusée? J'ai l'impression qu'on me dit pas de tout là, mais bon. Utopie le futur. Bon, ok. Bon, sale mioche, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, ça m'a l'air très grand quand même. Pourquoi est-ce que cette île est complètement poilue? Bon. Ah oui, quoi? Ça sent pas bon, ça, non? Orca? Ah, je sais pas, tu sais pas? C'est bizarre un peu. Ouais, sûrement. J'ai pas envie qu'il essaye de me virer pour je ne sais quelle raison. D'accord. Je sais pas si c'est une bonne chose, c'est marrant. Mais c'est un centre d'entraînement ou qu'est-ce qui se passe là? C'est bizarre un peu. Citoyen le plus doué? Il y avait des gens qui habitaient là du coup avant ou qu'est-ce qui se passe? D'accord. Ouais, moi aussi j'ai entendu œuf de poisson. Bon bah. Histoire d'Alterna. Comment ça, ceci est une menace par conseil? Non, mais moi j'ai pas hâte du tout en fait, hein. Oui, j'avais compris que j'allais devoir faire ça toute seule, mais bon. Alors, bon, ben, j'en ai pas 15 000 de toute façon. Comment ça, un paiement? J'ai l'impression que je me fais vraiment arnaquer dans cette histoire-là. Bon. Ouais, tout est prêt. Ok. Bon.
Fait un peu peur. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Juste attendre l'arrivée? Je peux en faire tomber. Bon, allons voir. Qu'est-ce qui se trame là? Pourquoi une clé en haut? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Je vais pouvoir monter par là. Voyons voir. Un méca buvard. Ah d'accord, je vois le genre. Du coup, faut que je fasse vite. Alors. La suivante est en face. Je devrais pouvoir y aller depuis là-bas. Qu'est-ce que ça fait si j'active ça? Oula. D'accord. Et là, ça le mioche. Attends. J'arrive à viser. Ça le mioche. Non. Comme ça peut-être. Ok. Et ça. Un ventilo. Et ça avance. Ce lieu n'avait aucune logique, bonne parole. Alors, voyons voir. En face. Comment est-ce que je vais en face? Par là-bas, j'ai l'impression. Bien. Est-ce que c'est dangereux cette petite bête ou juste ça boit de l'encre? Qu'est-ce que c'est? Hein. Oh, tiens, c'est marrant ça. Oh, une éponge. Alors, voyons voir. Ok. Alors. Oh, j'ai l'impression que ça ressemble plus à un parc d'attractions qu'autre chose. Oh, ça inquiète personne, ces petits trucs là-bas. En esquive. Ok, bon. J'ai le 3, faut faire autre chose. Ouvrir ça, je suppose. Ok. Parfait. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je crois que j'ai terminé. Ah, il y a un autre numéro là. Salut. Donc, faut que je continue, c'est ça? Un parchemin. Découvrez une cité du chaos bouillonnante, l'endroit le plus chaud de toute la cité Clabousse. L'avenue de l'anarchie, la parcourir, la ressentir, la vivre. Collection spéciale au cœur de la vie claboussienne. Qu'est-ce que c'est que ça? Un magazine. D'accord. Il y a quelque chose là et là. Voyons voir la carte. D'accord, bon. Bon, elle est là. Prudence, numéro 3. Est-ce que je peux y aller ou c'est trop compliqué? Est-ce qu'il y en a un là-bas aussi? Bon, tant pis.
qu'est-ce que c'est que ça? Bon, c'est peut-être pas le même défi après tout. Pourquoi je me retrouve avec un sniper? Je sais pas faire ça, moi. J'ai jamais utilisé d'armes au départ, je vous rappelle. Un seul tir? D'accord. Bon. Ben c'était plutôt simple cette fois. Alors. On va aller voir là. Ça me gèle les pieds cette neige par terre. Hein. Alors. Qu'est-ce que je dois faire? Je vois votre sens de l'orientation. Bon, je pense qu'il vaut mieux prendre ce qui est conseillé. Ah, cette fois c'est gratuit. C'était pas le cas de celui d'avant. Au domicile. Effectivement, c'est quoi? Bon. Oula oula. Qu'est-ce que c'est? C'est de l'ombre. Est-ce que je peux leur tirer dessus? Ah, je peux les détruire, je savais pas. Fallait préciser, dis donc. On se détruit hyper facilement en plus. Qu'est-ce que c'est que ça? De l'équipement? Ça va pas faire de mal. Bon. Qu'est-ce que c'est? Une boîte de conserve? Il y avait des caisses là-bas que j'ai pas prises. D'accord. Effectivement. De beaucoup aimer l'encre en fait, c'est pas tellement moi qu'ils attaquent. C'est ça. Ouais, moi non plus, je t'avoue. Il y en a beaucoup des trucs comme ça dans votre coin bizarre. C'est quand même pas très hospitalier si je peux me permettre. Ah, parfait. Vous avez vu mon numéro depuis le début, pourquoi est-ce que vous m'aviez pas aidé? Vous m'avez l'air d'être quand même bien expérimenté, non? Ah oui? Ça m'étonnerait pas, surtout s'il y a de l'équipement planqué ici, c'est peut-être pas pour rien. Ils sont combien? Ok. On est bien sorti. Ouais. Un interrupteur. Ok, bon, ça va globalement. C'était un peu plus complexe que la fois d'avant, mais pourquoi est-ce que les gens ont piégé comme ça à ces endroits? C'est bizarre. Pourquoi ça servait aux gens de s'entraîner comme ça? Bon, super. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de bouillie hirsute. Je sais pas trop où c'est que je dois aller à vrai dire. C'est pas très clair. Bon, on va faire une dernière zone et après on se reposera je pense. Alors, des surprises aussi subites que mortelles? Mais pourquoi les habitants de cet endroit faisaient des trucs aussi dangereux? Je comprends toujours pas la logique, mais bon. D'accord. Bon, si juste du combat, ça devrait peut-être aller. Quoique,
Ah, d'accord, je comprends le principe de subit. Ça va pas faire de mal d'avoir plus d'équipement. Oui, à mon avis, ça va recommencer. Je touche une ligne droite, je le sens pas très bien. C'est mieux. Il est où là? Bon. Un lance-rafale? Et d'accord que ça sent pas bon, non, ça. Heureusement que ça le mieux, je suis là pour divertir un peu les ennemis parce que sinon ça serait compliqué. Ça paraît vraiment compliqué là. Bon, alors, on va foncer dans le tas, je crois. Oula, oula. Leurs attaques qui rebondissent là. Allez, regardez-moi quoi, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, j'y suis presque. Forcément, ça aurait été trop simple. C'est pas un peu dangereux quand même pour quelqu'un qui n'a jamais utilisé d'armes de cette sorte. Bon, enfin en arrivée. C'est plus complexe, quoi donc. J'ai réussi à sortir du bureau d'ici, c'était compliqué cette fois-ci. Je vais me poser un endroit pas mal, remettre un peu d'encre là. Ok, bon bah je pense que je vais aller faire une petite sieste encore une fois et on se retrouvera plus tard. Je vois que ça le mieux, j'ai vu quelque chose. Je vais peut-être aller le prendre. Hop, d'accord. Bon, ça le mieux, tu viens faire une sieste? Allez hop, bonne nuit. Et voilà, c'était tout pour ce deuxième épisode de notre petit let's play sur Splatoon 3 en version un peu plus RP. Comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre un petit like ou encore activer la cloche si vous voulez recevoir les notifications des sorties des prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt. Ciao !